Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la playroom de l'épisode de Fallout 4, chers amis. Un épisode un petit peu particulier, mais cette fois-ci pour moi. Pourquoi ? Parce que j'ai tourné déjà ces deux épisodes-là hier, normalement, et ils n'ont pas été enregistrés comme il faut. Donc bon, bah voilà, écoutez, on va reprendre là. Je vais donc me focaliser, comparé à hier, donc sur l'histoire. Vous n'aurez pas vu, en fait, deux, trois quêtes principales, enfin, deux, trois quêtes secondaires, pardon, qu'on reverra ensemble une fois qu'on aura un peu plus avancé, histoire que j'aurai un petit peu oublié, quand j'aurai un petit peu oublié ces différentes quêtes. Donc, nous allons chercher le vieux Longfellow, le mec, l'histoire principale, le mec qui est censé nous guider dans l'île. D'ailleurs, à ce sujet, chers amis, j'aimerais qu'on... Voilà, on enlève ceci. On met trop facile à la place. On va couper la musique parce que ding, ding, ding. Il y a l'autre qui va nous parler, normalement. Tout le monde, on essaie d'avoir une conversation, là. Il s'énerve. Fermez-la un peu et écoutez. Paraît que le brouillard va finir par nous faire la peau. Et je vois pas de meilleur moyen d'accueillir cette saloperie qu'en buvant jusqu'à plus soif. C'est la maison qui régale. Ouais. C'est la fête. À la tienne, Mitch. Mitch. Écartez-vous, faites de la place. Vous avez vraiment tué la reine? C'est la marinière qui l'a dit. Ne l'embête pas, débile. Mais bien sûr qu'il l'a fait. Regarde-le, ça c'est un dur à cuire, un vrai. Eh ouais. On s'est tous trompés sur votre compte. Pas le capitaine Avery, en tout cas. Ouais. Saint Avery avait tout compris avant tout le monde. Merci de me le rappeler. La maison pèse à tourner. Non, merci. Et puis quoi encore? Vous allez me faire croire que vous avez affronté la reine en étant sobre? Mitch, allez. Il a fait la danse du capitaine, quand même. Ton oncle, peut-être? C'est entre ma famille et moi, ça regarde personne. Mitch est trop fier pour le dire, monsieur. Mais on monsieur, s'inquiète pour son nom. Elle me donne du monsieur. Tout pour la famille. Si un membre de ma famille était en danger, je ferais tout pour l'aider. T'entends ça, Mitch? Même lui, il demanderait de l'aide. Oncle Ken est le dernier qui vit encore sur l'île. Après lui, il n'y aura plus personne. Il est plus dingue qu'une bande de râteaux pas famés. C'était bien cette expression. Mitch lui a envoyé quelques condenseurs de brouillard, c'est ça? Au moins, il est protégé. Il est peut-être encore vivant. Mais son campement doit être encerclé par Dieu sait quoi. Écoutez, j'ai honte de vous demander ça, mais c'est la famille. Vous pourriez aller voir s'il va bien? Pas de soucis. Et vous traînez ici par la peau du cul tant que vous y êtes. Je vous paierai, bien sûr. Vu l'état de son cul, je pense qu'on va plutôt partir sur son cou. Par contre, j'imagine que tu dois bien donner quelques petits trucs. Il est dangereuse. Mes services ne sont pas donnés. Si vous voulez, je peux ajouter un peu de ravitaillement pour vous aider dans le brouillard. Ce serait sympa, effectivement. J'ai besoin de steampack. Sur les capsules, vous savez. Je vais partir à sa recherche. Je vais partir à la recherche de votre oncle. Il vit dans le vieil office du tourisme dans les terres. Faites gaffe, il adore poser des pièges partout. Vous vous rappelez, on avait monté un escalier. Je m'en rappelle, les gens m'en rappelaient pas hier. On avait monté un escalier pas loin de l'office du tourisme qui avait plein de mines. Merci d'avoir aidé Mitch. Et on a eu des radaways et des steampacks. Parfait. Terminé, parler à Mitch. What the fuck? Non, c'est bon. Yo! Le capitaine Avery a dit que vous pouviez m'emmener à Acadia. Pareil qu'il y a eu du grabuge par ici. Vous êtes... Bingo. Oh! J'avais pas vu. Ah, c'est pas mal. J'espère que ça spoil pas trop. Vous avez mouillé la chemise? J'en ai marre de mener des gens à l'abattoir dans le brouillard. Oh, pauvre petit père. Le dernier qui m'a demandé n'était pas au niveau. Il a pas tenu 5 minutes. Vous connaissez Acadia? Vous pouvez me dire au sujet d'Acadia? C'est des gens bizarres là-bas. Apparemment, c'est des synthétiques. À mon avis, ils veulent tout simplement qu'on leur fiche la paix. Vivre dans leur coin. Peut-être. Ils nous ont rendu de fiers services. Les condenseurs de brouillard, notamment. Far Harbor n'existerait même plus sans eux. Bien, c'est bien de le savoir. Des condensateurs de brouillard. Les condenseurs, c'est les petits bijoux de technologie qui bloquent le brouillard. Ils sont alimentés par le parc éolien des synthétiques. D'accord. On leur doit une fière chandelle, même si on n'aime pas trop ça. Et donc, je peux te payer peut-être? Tout le monde a un prix. Combien ça va me coûter? Gardez vos capsules. Si vous voulez vraiment le faire, vous pourrez me payer en whisky.
Mitch en a. C'est le barman. Achetez-moi une bouteille, et on pourra réfléchir aux moyens de vous conduire à Acadia en un seul morceau. Ça me semble honnête. Merci d'avoir aidé Mitch. Mitch. Selon mes calculs, vous êtes bien trop sobre. On peut arranger ça. D'abord, j'aimerais t'acheter un petit peu de whisky. Alors, on va vous donner de quoi vous requinquer. C'est sympa, merci l'ami. Mitch, whisky, t'en as deux bouteilles. T'en avais qu'une hier. Annuler l'échange, non. Accepter l'échange. T'aurais pas un petit peu de steampack ou un truc comme ça sur toi? Non, rien du tout. Par contre, j'ai vu que t'avais une cargaison de verre. Oh là là. Bon, yo l'ami. Hey. Vous avez mon whisky? Voilà, votre whisky. Ah, ça c'est parler. Je peux vous emmener à Acadia. Mais il va falloir m'écouter. Allez où je le dis, quand je vous le dis. Ça me semble correct. Même comme ça, c'est pas gagné. Faites le plein de trucs utiles. Du radix et tout ça. Après ça, on pourra passer aux choses sérieuses. Ok, donc. Eh ben écoutez les amis, moi je vais faire le plein. Faut que je m'occupe d'une chose ou deux avant. Et je vous retrouve tout de suite. À tout de suite, chers amis. Ok, re, chers amis. Donc j'ai fait le plein d'équipements. J'ai modifié certaines armes, certaines. J'ai ajouté certaines armes aussi à mon. Mon roster. Hein. C'est bon. On va dire ça comme ça. En tout cas, maintenant je suis paré. J'ai décidé de mettre fin à tout ce qui est. On va dire. Attaque silencieuse. Le whisky, c'est bon pour le courage. Et je me suis mis en mode bourrage. On va bien voir si ça change quelque chose. Acadia est au-dessus du brouillard, sur la montagne. Ça fait une sacrée trotte. Vous devriez prendre ça pour la route. On le voit pas. Ah si, là-bas peut-être. C'est atroce, mais c'est utile. Ah oui, de la viande séchée de fangeux. Donc, on va faire un petit exemple. On commence par le Deagle que j'ai remis en position 1. Le P99, une nouvelle arme, un pistolet avec réticule laser. Principalement pour voir ce que ça va donner dans la brume en fait. Le fusil à levier que j'ai amélioré en fusil court, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, le brouillard a des effets bizarres. Une seule suffira. Ça tourne le cerveau, on perd le sens de l'orientation. Les trappeurs étaient déjà pas commodes à la base. De mémoire, voilà, on est bien sur 6. Sur 5, pardon. J'ai mis le fusil d'assaut. Sur 6, l'arbalète. J'ai fait le plein de munitions en version cheatée parce qu'apparemment elles sont difficilement trouvables chez les vendeurs. Le problème, c'est que voilà, elle est complètement buggée. Donc, il va falloir que je fasse autrement. L'arc Tesla pour tout ce qui est ghoul. Voilà le chemin de montagne. Si on le suit sans se perdre, on arrive. L'ami de l'amiral, je crois que c'est ça. Hein. Ça tombe bien. On élève toutes les pires bestioles ici. Mais je crois que je peux sur rien. Voilà. On va reprendre le Deagle. C'est parfait. Ou même le P99, tiens, on va pouvoir le tester comme ça. Vous avez entendu? C'est un rôdeur. Il reste au cœur du brouillard en général. On ferait mieux de rester à bonne distance. D'accord. Mais on sait jamais. Compte sur moi. T'avances ? Quand j'étais pas plus haut qu'un rataupe, le brouillard recouvrait toute l'île. Il a fini par reculer et les gens sont revenus s'installer. Mais ils se sont ramollis. Ils ont cru qu'ils étaient hors de danger. Oh. Les habitants de cette île ont la mémoire courte. C'est pas la première fois que ça arrive, tout ça. Les bombes nucléaires, normalement, si. Normalement, si. Hop, les où vous êtes? Hop. Tu vas crever. Apparemment, il y a des légendaires. La vache. Hop. Pistolet laser, pourquoi pas. Alors, normalement, il fait moins de dégâts. Alors, je vais quand même vous le montrer. Le voilà. Normalement il fait moins de dégâts, il fait 104 de dégâts et normalement le Deagle il en fait 180, voilà c'est ça.
Donc bon. Il est pas plus cheaté qu'un autre. Sont déjà assez coriaces. Mais les gros, ils peuvent faire deux ou trois fois la taille d'un homme. C'était quoi ça? Faites gaffe. Wow. Oh la vache. Ok, salut l'ami. Reste au sol. Alors pour vous dire, il n'y avait pas autant d'action dans le... Ok, cool. Dans l'épisode d'hier. Hop. On est pas seul. Je te vois. Hop. Le brouillard les emporte. Parfait. Il est pas mal ce petit pistolet. Il fait pas autant de bruit que le Deagle, mais il est stylé. J'ai bien fait de mettre la petite. Petit truc laser à côté. C'est sympa. C'est sympa. J'ai hésité à mettre une torche, mais je trouvais que ça faisait beaucoup. Une seconde. Oh! Ça c'était pas là. Vous menez une nouvelle âme à sa perte, vieil homme? Oh, mais c'est quoi ça? Encore une tarée qui vénère les radiations. Ah, c'est bon, une enfant d'atome, d'accord. Ma foi me protège. Oula, oui bah, par contre je suis désolé balles, pour le bug. Elle est pare-balles ta foi. Elle est pare-balles ta foi. Ah ça c'est bon ça, du calme, du calme. Bon, on se calme, ok. Elle est pare-balles ta foi. Ce serait du gaspillage de munitions. Ouh, tu me plais. N'allez pas souiller une nouvelle âme avec vos blasphèmes, vieille. Désolé pour le bug. Je vous conseille de rebrousser chemin. Le double bug, Acadia, il y a la tête et la poitrine. Acadia est un nid de serpents, des monstres qui détournent la volonté d'Atome. Parlez-moi d'Atome. Très bien, j'écoute. Parlez-moi d'Atome. Qu'on sache si c'est différent ici. Il n'y a qu'à regarder autour de vous. Vous progressez dans son royaume. D'accord. Un territoire enveloppé dans un brouillard sacré. Atome l'a revendiqué pour ses enfants. Pff, ouais, pourquoi pas. Vous pourrez rejoindre notre famille. D'accord, j'en suis. Comme ça, elle va partir et on sera tranquille, on n'aura pas de problème avec eux. Ça marche, j'en suis. Excellent, direction le noyau. Une fois là-bas, Atome révélera son plan. Si vous avez fini de perdre votre temps avec les fanatiques. Ouais, t'inquiète, on va continuer. Excuse-moi, c'est parce que je préférais que ça se finisse comme ça. Dans les hauteurs. Il y a pas de brouillard. On n'est plus très loin d'Acadia. D'accord. Mmh. Attends, je fouille un petit peu, hein, l'ami. Oh. Des munitions, pas de steam pack, rien. J'arrive. Vas-y, roule. Excusez-moi. Nous y voilà. D'accord. Acadia nous observe depuis un bon moment. Si vous voulez leur parler, suffit d'entrer. Ils vous attendent. D'accord. Venez me voir si vous avez à nouveau besoin de quoi que ce soit. J'ai un chalet, juste en dehors de Far Harbor. Parfait pour réparer son équipement, se reposer ou se mettre ivre mort. Faites juste il est sympa. En sorte qu'il y en ait assez dans la bouteille pour pouvoir la partager. Compte sur moi. Vous voulez pas connaître la suite? Vous partez déjà? Vous voulez pas connaître la suite? Vous voulez que je reste pour couvrir vos arrières? Peut-être plus tard. Peut-être plus tard, Longfellow. Ok. Mais je suis sérieux. Si un jour vous voulez venir chasser dans les forêts et les eaux autour de l'île avec moi, je dirais pas non. T'es un mec bien. Ce putain de brouillard me tombe sur les bronches. Oh là, faut éviter le cancer, mon pote. Hein. Bon. De mémoire, si je me rappelle bien, il y a un steam pack là-dedans. Ouais, c'est ça. Parfait, bon. Moi, je sais ce qui va se passer à l'intérieur, chers amis. Vous, non. On va donc améliorer tout ça. Changer tout ça. Et vous permettre d'avoir accès à ces informations. Alors. Par principe, on fera quand même quelques quêtes secondaires pour eux. Histoire que vous... Histoire qu'on puisse quand même avoir leur confiance, entre guillemets. Je pense qu'il y a moyen d'avoir ça comme ça. Je vais faire ce que j'ai fait la dernière fois quand je suis venu, chers amis. Hop, j'avais zoomé sur lui. Vous pouvez voir qu'il y a un synthétique.
que nous allons rencontrer tout de suite. On garde quand même le Deagle à portée de main. Vous savez, la première fois que j'ai gravi cette montagne et que je me suis retrouvé au-dessus du brouillard, j'ai trouvé la métaphore fort intéressante. Vous avez pénétré dans un lieu limpide, compréhensif, pacifique. Les synthétiques vous accueillent à Acadia tant que vous nous respectez. Vous êtes quoi exactement ? Mais vous êtes quoi exactement ? Je vous l'ai dit, je suis le vieux synthétique sur la montagne. Je sais que la peau en plastique et les tuyaux peuvent être déconcertants, mais il ne faut pas s'arrêter aux apparences. Dites-moi ce qui vous amène et j'essaierai de vous aider. Je suis à la recherche de Kazumi. Je cherche Kazumi Nakano. Vraiment ? Vous m'envoyez impressionné. Peu de gens se lanceraient dans ce genre d'aventure pour quelqu'un d'autre. Kazumi est ici, saine et sauve. Vous pouvez la voir si vous le souhaitez. Mais avant cela, dites-moi une chose. Pensez-vous que Kazumi soit une synthétique ? Effectivement, c'est une synthétique. C'est une synthétique. C'est pour ça qu'elle est partie. Kazumi se posait des questions sur elle-même. Elle est venue chercher des réponses. Personne ici ne prend cette transition à la légère. Elle est confrontée à la possibilité que toute sa vie n'ait été qu'un mensonge. Que quelqu'un l'ait dépossédée de sa véritable identité pour en faire une personne qu'elle n'est pas. Mm-hmm. Je veux que vous compreniez cela avant de la voir. Ici, elle peut vivre en synthétique, sans se cacher, sans faire semblant d'être une autre. J'ai encore une question si ça ne vous dérange pas. Vous êtes là pour Kazumi, mais je pense qu'il y a autre chose. Dites-moi... Êtes-vous un synthétique ? Comment je pourrais savoir ? Comment est-ce que je pourrais le savoir ? Si vous pensez à un test biologique, je crains que nous ne puissions rien faire. Rien qui ne soit pas fatal, en tout cas. Il faut plutôt chercher des signes. Des trous de mémoire. Un sentiment d'isolement inexpliqué. Des rêves étranges. Mais au bout du compte, c'est à vous de décider. Quelle est votre conviction ? Avez-vous déjà remis votre humanité en question ? Je suis un être humain. Je suis un être humain, pas un synthétique. Pouvez-vous l'affirmer avec certitude ? Pardonnez-moi d'insister, mais quel est votre plus ancien souvenir ? Le jour du bombardement. Je me souviens d'être dans ma maison, le jour du bombardement. On a couru jusqu'à l'abri. Ils nous ont congelés. Personne n'a survécu, sauf moi. Aucun souvenir avant ça ? Uniquement cette journée précise ? Oui, mais il n'y avait pas synthétique à l'époque. Votre réveil dans la solitude la plus complète ? Comme nous acceptons facilement ce qui nous est présenté comme ouais, pour un robot, t'es pas intelligent. C'est marrant comme les souvenirs donnent parfois l'impression de faire partie d'une réalité complètement différente. Les gens, les endroits, même les sons et les couleurs changent. Ou quelqu'un les a changés. Oui. Je ne vais pas vous mentir, il y aura toujours une autre explication possible. Un traumatisme, une maladie, les radiations ambiantes. Tout ça n'est pas sans effet sur l'esprit. Je me doute. Mais je peux vous promettre que nous vous accepterons parmi nous, quelle que soit votre conviction. C'est gentil. Merci. Merci. Vous m'avez donné de quoi gamberger un moment. Je suis ravi de l'entendre. Acadia vous ouvre ses portes. N'hésitez pas à aller y faire un tour et à vous présenter à mes deux cofondateurs, Faraday et Chase. Et je suis sûr que vous allez... Ah, avec Kanigou juste à côté, c'est super le plan là. Elle passe le plus clair de son temps à travailler en dessous. Puis-je faire autre chose pour vous ? Je dois y aller. Je dois y aller. Bien sûr. C'était long. Tout va bien ? Ça va. Vous vous inquiétez toujours trop pour moi. Et moi, je trouve que vous ne vous inquiétez pas assez. On a fait sauter 3 autres relais cette semaine. J'arrive. Ne bougez pas. On va pouvoir faire la rencontre de Faraday, qu'on va devoir aider. Et de Chase, là-bas, qui, elle aussi, va être aidée. J'ai déjà débordé avec les réparations. Et voilà que ces fanatiques d'atomes viennent en rajouter avec leurs idioties. Ne vous en faites pas pour ça. C'est plutôt pour vous que je m'en fais. Dima, vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes du monde, en tout cas pas tous en même temps. Mon cher Faraday, détendez-vous.
Tout va bien se passer. Vous avez parlé à Dima. Vous savez donc pourquoi nous sommes là. En effet. J'espère sincèrement que vous choisirez de nous aider. La vision de Dima vaut la peine d'être défendue. Les synthétiques ont droit à la sécurité au moins sur une île. Je suis du de l'institut, mais je peux comprendre que je suis pas là pour extrader toute l'île en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme tout le monde. Heureux de vous l'entendre. S'il y en a qui arrivent à s'échapper entre les mailles du filet, tant mieux pour eux. Je vais pas les chasser sur un autre continent. Ça lui fera plaisir. Il a consacré tant d'efforts à sa vision. Tout ce temps, cette énergie uniquement pour aider les autres. Il place sa vie et ses intérêts personnels au second plan. Ça m'inquiète parfois. Si je n'étais pas là pour vérifier que tous ces équipements fonctionnent bien, et je ne parle même pas de la maintenance des condenseurs de brouillard, j'ai tellement de choses à surveiller. Et il a beaucoup de chance de vous avoir. Il a de la chance de vous avoir à ses côtés. Merci, c'est très gentil. Avez-vous besoin d'aide ? Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider, dites-le-moi. Eh bien, si vous voulez vraiment nous aider, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Ce sera sûrement dangereux, alors je comprendrai si vous refusez. Il y a un bateau amarré sur la côte. Cette quête-là, on va pas la faire tout de suite. Il transportait du matériel dont nous avons besoin, des disques de stockage. Le bateau n'est jamais arrivé à destination et les périphériques y sont toujours. J'en ai vraiment besoin, ne serait-ce que pour les pièces détachées. Si je ne m'abuse, le bateau s'est échoué au sud-ouest d'ici. Alors, vous croyez que vous pourriez vous en charger ? Ouais, qu'est-il arrivé ? Qu'est-il arrivé au bateau ? Pourquoi n'est-il pas parvenu à destination ? Honnêtement, je n'en suis pas sûr. Trappeur, brouillard, rôdeur, qui sait ce qu'il y a là-bas ? Ce qu'il y a peut-être toujours là-bas. Le truc, c'est que nous avons déjà perdu quelqu'un. Et je ne veux pas que ça se reproduise. Alors ? Marché conclu ? Ouais. Ouais, pas de soucis, pas de problème. Pas de problème, Faraday. Je vous ramènerai les disques. Merci beaucoup pour votre aide. De rien. Un mec aussi dévoué, franchement, on va pas lui faire raquer son argent. Vous avez remonté la piste de Kazumi jusqu'ici ? Impressionnant. Merci. Peut-être pas aussi discrètement ou efficacement que possible, mais heureusement, elle n'a jamais vraiment été en danger. J'ai bien peur que vous ayez fait ce voyage pour rien. Je cherche juste à m'assurer qu'elle aille bien. Je voulais m'assurer par moi-même qu'elle allait bien. Je vous en donne ma parole. Acadia est un havre de paix pour les synthétiques. Si ce n'était pas le cas, je n'aurais jamais aidé qui que ce soit à venir ici. Tous les synthétiques que j'ai retrouvés et conduits jusqu'ici, je leur ai garanti qu'il ne leur arriverait rien. Mon travail consiste à veiller à leur sécurité, quoi qu'il arrive. Vous comprenez ? Et vous les trouvez comment ? Comment vous faites pour repérer les synthétiques et les faire venir ici ? J'ai un réseau de contacts dans la région. D'accord. Certains remontent à mon passage à l'Institut, d'autres sont plus récents. Je connais les tactiques de l'Institut. Ça me donne l'avantage sur eux. Vous avez la bénédiction de Dima. Alors je vous en prie, mettez-vous à votre aise. Je veux aider. J'aimerais aider les gens d'ici. Je peux faire quelque chose ? Eh bien, puisqu'on en parle... Elle a une vieille tenue de chasseur, vous avez remarqué ? Si vous voulez vraiment nous aider... Par contre, la texture est horrible. Nous avons un problème qui mérite toute votre attention. Vous avez déjà traversé l'île, donc j'imagine que vous avez l'équipement et les capacités nécessaires pour survivre. Ça dépend du boulot. Ça dépend de ce que vous attendez de moi. Ça me paraît juste. À votre place, j'aimerais connaître un maximum de détails, moi aussi. On attendait un nouveau synthétique, mais il aurait déjà dû être là depuis longtemps. On est sans nouvelles de lui, et j'ai peur qu'il se soit perdu en chemin. Une idée ? Vous avez une idée d'où il pourrait être ? Vous devriez aller voir Brooks à Far Harbor. C'est l'un des nôtres, un synthétique. C'est Brooks, lui qui accueille les arrivants et les prépare pour le voyage. Pharmacien. Évidemment, il ne vous dira pas grand-chose tant qu'il n'aura pas eu la preuve que c'est moi qui vous envoie. S'il refuse de coopérer, dites-lui que son matricule est L792. Ça devrait le convaincre. Je ne peux pas faire mieux pour l'instant. Faites vite, je vous en prie. Ce synthétique ne tiendra pas longtemps tout seul dans la nature. On va le faire assez rapidement. Je connais comment que ça va se... Je sais comment ça va se passer, donc forcément... Forcément. On va aller le faire très très vite, celle-là. Celle-ci, on l'a fait vite, chers amis. Hop. Tiens, c'est quoi, là ? Ah oui, le MS Azalé. On a une quête à faire là-bas. Je suis mort plusieurs fois en la faisant, cette quête. Apparemment, mon armure ne protège pas complètement de tous les dégâts. Encore moins des dégâts avec les armes comme le harpon qui transperce l'armure. Et qui font extrêmement mal. J'ai essayé de chercher des pailles de texture aussi tout à l'heure là pour améliorer un petit peu toutes les textures du jeu. J'en ai pas trouvé pour les DLC forcément. Et c'est bien dommage, c'est bien dommage. Alors,
Brooks, il est ici. Voilà. Encore une journée à Far Harbor. Je dois vous parler d'un synthétique disparu. Ah ouais? J'ai pas l'habitude de parler de ça avec des inconnus. Si vous êtes pas là pour acheter quelque chose, vous pouvez passer votre chemin. Ah! C'est Chase qui m'envoie. Elle m'a dit que vous portiez le matricule L792. D'accord, je vous crois, mais baissez d'un ton, ok? Cette information doit rester entre nous. J'ai vu le synthétique dont vous parlez. C'est un jeune gars, la vingtaine, avec des cheveux blancs. Il s'appelle Derek. Le problème, c'est qu'il a débarqué plus tôt que prévu. Il pensait qu'il avait un chasseur aux trousses, alors il a anticipé sur l'horaire. D'accord. Entre nous, il faisait peine à voir. Il était mort de trouille. Il regardait par-dessus son épaule toutes les 30 secondes et il attirait un peu trop l'attention. J'ai essayé de le calmer, mais il a paniqué et s'est enfui dans le brouillard. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Le temps presse. Ce synthétique est peut-être en train d'errer dans le brouillard complètement perdu. Il va me falloir plus d'informations. Je vous ai dit ce que je savais, ok? Vous croyez que c'est ce que je voulais? Écoutez, si vous voulez vraiment essayer de le retrouver, je suis quasiment sûr qu'il a quitté la ville vers le sud. Vous pourriez peut-être commencer par là. Faites attention à vous. Et merci. Il n'y en a pas beaucoup qui seraient prêts à s'aventurer dans le brouillard pour aider un synthétique qu'ils connaissent même pas. Je regrette vraiment ce qui s'est passé. Sincèrement. J'espère que vous pourrez réparer mon erreur. J'espère que c'est une quête à plusieurs fins. On y va. Pour vous, je vais la verrouiller, la quête. Hop. Alors. Hop. Où sont les autres? Normalement, il y en avait plusieurs par là. Vas-y, Canigou! Bouffe là! Bien joué! Bien joué, Canigou! Bien joué! Hop, elle est où? Ici. Oh, elle avait un Steam Pack! Cool! Ok, la suite. Faudrait que j'apprenne à finir mon chargeur. Pour espérer gagner des balles. Espérer gagner des balles, pardon. Je vais y arriver. Là-dedans, il y a des choses à faire. Hop. Hop. Voilà. Problème résolu. Non, il en reste encore un. Non, ça c'est le nôtre. Hop. Ah, j'aurais dû finir mon chargeur. Je suis stupide. Surtout que je viens de le dire en plus. Ok. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh la gueule! C'est le suicide contre une porte, non? C'est... J'avais plus d'énergie? Bah non, même pas, ça peut pas être ça. C'est quoi, suicide? Oh la gueule! Bon. On reprend. D'où est-ce que ça venait? Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai pas du tout compris. Là, normalement, c'est cette touche-là. Ok. Ah, elle avait pas de Steam Pack.
Ah putain. J'avais eu du bol. J'avais eu du bol. Une fois. Bon, on va aller se refaire les loulous. C'est pas eux qui m'ont fait tant de dégâts que ça. Hop. Parfait. Il a mangé son dîner, littéralement. Alors, on va le refaire. Pour le plaisir de la forme. Apparemment, par là, il y a un trou. Non ? Bah non. Bon, bah tant pis, c'est bizarre. C'est bizarre. J'arrive où il y a une encre. Alors. J'espère qu'il y a une autre fin. Il y a du sang ici. Il y a du sang ici aussi. Ici, ici. Ici. Voilà, donc je disais que je trouvais ça un petit peu bête de pas avoir fait une vraie piste. À suivre. Oh là 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 là. Ça va être pareil, je le sens. Yo l'ami. De la viande fraîche qui sort du brouillard ? Fangé ou humain, pas d'importance. Comment ça, pas d'importance ? Je ne veux pas d'ennui. Je cherche quelqu'un. Je vais faire ce que j'ai fait hier. Avec des cheveux blancs. Si vous m'aidez, je partirai. Oui, nous l'avons trouvé. L'une des créatures du brouillard l'avait déjà attaqué. Il saignait. Pourquoi se priver d'un peu de viande ? Tiens, prends donc ce qui reste. Putain, c'est dégueulasse. Pars maintenant. Et ne reviens jamais. Je suis désolé, on va pas le faire comme ça. Il faut que tes copains entendent ta mort arriver. Voilà. Problème résolu. Enfin, à moitié résolu. Par contre, il y a un cadavre qui a encore disparu, non ? Ouais, il y a encore un cadavre qui a disparu. Putain, c'est dégueulasse. Ils ont bouffé le mec. Et puis, pour vous montrer à quel point ils l'ont bouffé... Âme sensible, s'abstenir. Regardez pas les... Je vais vous dire quand vous pourrez regarder. Pour ceux qui veulent pas regarder. Vous avez vu quel objet on a récupéré. Si on peut appeler ça un objet. Âme sensible, s'abstenir. Attention, dans 3, 2, 1, arrêtez de regarder. On a bel et bien récupéré une tête. Et puis c'est bien lui, hein. On peut pas... Il a une tronche pour s'appeler Derek. Voilà, vous pouvez regarder à nouveau. C'est l'heure de... Ah bah il a fini là, le cadavre. Putain, mais... Oh là. C'est... L'île est vraiment une... Un monstre, hein. L'île est vraiment monstrueuse. Alors. On va retourner à Acadia. Oui. Oh, mais c'est les démons de la rouille, ça. C'est stylé. C'est bizarre de voir le ciel sur cette île, en fait. Peut-être qu'un jour, d'autres endroits du monde nous accepteront tels que nous sommes. Peut-être. Acadia, allons-y. Retournons voir Chase. Hop, moi je note le nom de l'épisode. Arrivé à Acadia. Hop, voilà. Plein de choses qui tombent, c'est génial. Et ma chaise qui queen. Chase. J'imagine qu'elle est redescendue. Hop. Alors, j'imagine que vous n'allez pas rester longtemps.
Ah oui, lui, il est con. Je me rappelle. Je me rappelle, celui-là, il est vraiment con. Je me permets de vous piller, hein. Ne vous inquiétez pas. Hop. Acadia paie pas de mine à première vue, mais pour la plupart d'entre nous, c'est tout ce qu'on a. Votre synthétique perdue s'est fait avoir par des trappeurs cannibales. Il est mort. Pauvre garçon. Oui. Ce synthétique était venu ici pour trouver la paix, et voilà comment il a fini à cause de nous. C'est ma faute, j'aurais dû partir à sa rencontre, bordel de merde. Mais je pensais qu'un synthétique était une mécanique en dessous, c'était juste un faciès. Vous méritez ça, et 200 capsules, ça vous va ? Mes condoléances. Je regrette que ça se soit terminé ainsi. J'aurais préféré une autre issue. Moi aussi. Merci encore pour votre aide. Faites attention à vous. Oh ! Ah oui, c'est vrai. Elle n'avait pas donné celui-là exactement, pourtant. C'est pas plus mal. Bon. Oh, level up. Alors, moi j'avais mis des points là-dedans. Et je me disais qu'en les mettant là-dedans, ce serait peut-être pas plus mal. Sachant que là, j'utilise plus les armes de corps à corps, pour l'instant en tout cas. Ça reviendra. sans maîtriser les puissances derrière, vous tremblez moins et vous retenez votre souffle plus longtemps quand vous visez avec lunettes. Oh, cool. Cool, cool, cool. C'est vrai qu'on l'a pas encore fait, ça. Ça m'intéresse. Il faudra qu'on fasse quelque chose, chers amis. Il me semblait qu'il y avait un truc qui permettait de récupérer des points de santé. Les radiations régénèrent votre santé. Ça, c'est bon, ça. Certaines goules sauvages peuvent se montrer amicales. Oh, la magie de ce truc. Bon, allez, on met des points dans la santé. Crac. J'imagine que vous n'allez pas rester longtemps. Toi, j'ai pas envie de te parler. Bonjour, l'accueil. Bonjour, bon, l'accueil. Vous recevez tous vos visiteurs aussi poliment ? Non. Nous n'avons pas de visiteurs. La sécurité d'Acadia repose uniquement sur nos actions. Si on prend des risques niveau action, je suis pas mauvais. Si on baisse notre garde, tout peut s'effondrer. Et vite. Tout à fait d'accord. Si un synthétique a besoin d'un refuge, on l'accepte parmi nous. On le laisse vivre sa vie librement et en sécurité. Oui. Vous ne faites pas partie de cette dans un observatoire. Ça fait de vous un risque potentiel. Ne le prenez pas personnellement. On limite nos relations avec les gens de l'extérieur par principe. Je ne vous veux aucun mal. Attendez-vous. Je ne vous veux aucun mal. Tenez-vous à carreau, c'est tout. J'ai tellement envie de lui mettre une balle entre les deux yeux. Enfin, entre les deux optiques, hein. Vu que c'est un synthétique. Alors, il y avait une personne à qui j'avais parlé, elle s'appelait Julie. Mais alors, de là. Si elle était par là, je crois. C'est elle. Ah, voilà le nouveau venu fraîchement débarqué du Commonwealth. Quelle chance de rencontrer quelqu'un qui vient de là-bas. Dites-moi, comment ça va à la maison ? Kazumi refuse d'en parler. Un peu mieux. Un peu mieux chaque jour, je dirais. Oh, quel soulagement. J'aimerais y retourner un jour, quand la situation se sera arrangée. Acadia est très bien, c'est vrai. Mais entre nous, on s'ennuie un peu. Vous êtes en sécurité ici. C'est tout ce qui compte. Oui, sûrement. Il faut quand même avouer que ça manque de distraction, vous ne trouvez pas ? Je suis déjà sûre avec qu'on se reverra à l'occasion. A bientôt. Putain. Vous êtes nouveau ici, non ? Écoutez, c'est vraiment pas le bon moment. J'ai un mal de crâne terrible. J'ai rien d'intéressant à dire, de toute façon. Pardon de vous déranger. Pardon. Je ne voulais pas vous déranger. Vous y êtes pour rien. On vous a déjà fait un lavage de cerveau à la truelle, à vous ? Non ? Alors fichez-moi la paix. Besoin d'aide. Genre celle-là, je m'en souviens. Vous avez peut-être besoin d'aide, non ? Bah oui, c'est vrai. Non. Pourquoi c'est pas ça. Ça, c'est ce que j'avais dit. J'avais pas apprécié la réponse. Mais je pense qu'il répondra toujours pareil. Je regrette. Je ne savais pas. Ouais, bon, vous pouviez pas savoir. Ah. Pas non plus. Elle est plus agréable. Je veux dire, hey. Je suis pas là depuis très longtemps, moi non plus. Honnêtement, si Chase n'avait pas été là, si Chase n'avait pas été là, tu serais mort alors qu'il est. Oui, je suis au courant. Ok.
Voilà, comme ça tu peux plus te défendre, le Black. Excusez-moi les gens de la communauté noire, j'ai aucun problème avec vous, hein. Enfin, de couleur, pas noir littéralement, mais... Enfin, sur le principe, vous voyez ce que je veux dire. Je n'ai aucun problème, je ne suis pas du tout raciste, pas le moins du monde. Cela dit, lui est un vrai connard. Alors, j'ai vraiment envie de lui tirer une balle. Je vais me faire plaisir. Vous savez quoi? Juste pour voir si tout le monde est d'accord avec moi. Si je le passe ici. Les mains en l'air. Voilà. À l'attaque! Oh! Pourquoi il s'est mis à tirer dans le tas aussi, ce trou du cul? Allez! Oh, le catch! Acadia vaincra. Bon, c'est assez amusé à regarder, chers amis. Hop, on recharge. Chase me plaît. Hein. Oh là là. Allez, on redescend. On va voir Kazumi. Ah, le texte bug, fait chier. Le texte bug. Porte ouvrir. Donc normalement par là on va trouver quelques petites choses. Hop. Et surtout ici en fait. Donc on va déverrouiller les deux, on va se faire un max d'XP là-dessus. Permanently. Alors, est-ce que ce serait le Y? Ça pourrait être le Y. Non, c'est pas le Y. Ah la vache. Je me suis planté parce que c'était, il y avait le LI à la fin, donc ça aurait fait deux lettres. Desperately. D'accord. Ah non, ça peut pas être celui-là. Ça peut pas être ça. Pas être disappeared. D E S P R A T. Ça peut pas être celui-là. Je le trouve pas. Je l'ai trouvé du premier coup sur le sur hier, mais là je le trouve pas. Alors, challenging, on en a 5. Engineering, on en a plus que 3. Joli. Le voici. Et non, on va pas faire la porte. On va la déverrouiller de manière classique. Ok. Ok. Si ça ne bouge pas et que là ça tourne. Oh putain. Des fois le jeu est d'une. C'est bon. Ah, Kenigo, pousse pas s'il te plaît. Hop. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ok, là il y a du carburant. Des munitions à foison, des mini nukes. Cendrier. Térébenthine. Les cartouches du psycho du buff out. Et c'est fini pour cet endroit. Et c'est véritablement dommage. Porte déverrouillée expert, oui j'avais oublié celle-là d'ailleurs. Heureusement que je passe par là. Parfait, on l'a eu. Génial. Il me semble qu'il y avait moins de choses dans celle-là, oui. Hop, j'ai vu les bouteilles d'eau, vous inquiétez pas, je les ai vues.
Hop. Hop. Parfait. On y va. On continue. On va voir Kazumi cette fois-ci. On ne s'arrête plus. La voilà. Les circuits sont complètement grillés. Alors, je vais juste faire. Hop. Peut-être en déviant les capteurs. J'espère qu'ils ont arrêté de te taper dessus là-haut. Hop, Kazumi Nakano. Désolé, je suis un peu occupée là. Je la voyais plus petite, moi personnellement. Vos parents m'envoient ici. Je viens à la demande de vos parents. Ils veulent que vous rentriez à la maison. Ils ont quoi? Vous avez fait tout ce chemin pour moi? Écoutez, mes parents, enfin, ces gens qui s'occupaient de moi, ils ne voudraient jamais me reprendre. Pas s'ils savaient la vérité. Parce que vous êtes une synthétique. Parce que vous n'êtes pas vraiment leur fille. Vous êtes une synthétique. Oui, c'est exactement ça. Je pensais que ce serait plus facile pour eux si je quittais la maison. Comment j'aurais pu leur annoncer un truc pareil, à votre avis? Je vous mens depuis des années? Votre véritable fille est morte et je l'ai remplacée? Je comprends. Je sais que c'est difficile pour vous. Je veux juste être sûr que vous êtes ici pour les bonnes raisons. Ouais, donc... enfin, je crois que je suis une synthétique. Mais il y a un truc qui cloche ici. Avec Acadia, c'est bien plus qu'une histoire de refuge. Je ne peux pas partir avant de connaître le fin mot de l'histoire. J'en ai assez de fuir. Il y a des problèmes à Acadia? C'est quoi le problème à Acadia? C'est une longue histoire. Il faut juste que je trouve comment... Attendez. Attendez. Vous retrouvez des choses. Vous cherchez des réponses. C'est votre boulot, non? C'est pour ça que vous êtes ici pour moi. Et si je vous disais qu'il y a un secret sur cette île? Un très gros secret. Un truc beaucoup plus important qu'une fille perdue. Je t'écoute. Quel secret? De quoi vous parlez? Par où commencer? Vous avez remarqué tous ces terminaux reliés à Dima, j'imagine. Il stocke ses souvenirs ou des données qu'il y a transférées depuis son cerveau. Peut-être même les deux. En tout cas, Faraday m'a demandé de l'aider à faire des réparations dessus. Et j'ai fait ma curieuse. Il doit y avoir pas loin d'un siècle de vie stocké là-dedans. Effectivement, on est au courant de ça. Enfin, peut-être pas vous, moi je suis. Les projections de données de Dima. Je sais plus. Il y en avait une qui prévoyait que Far Harbor serait recouvert par le brouillard. Une autre qui étudiait l'effet d'une explosion nucléaire sur l'île. Il y avait aussi des bilans de victimes prévisionnelles. Et si Dima était si ouvert et accueillant pour justement nous cacher quelque chose? Un plan pour anéantir le reste de l'île? D'accord. Je vais vous aider là-dedans. Je vous aiderai autant que possible. Mais c'est plutôt mince. Je sais. Je bosse dessus depuis un moment, mais je n'ai pas trouvé grand-chose. Je vois souvent Dima, Faraday et Chase s'isoler dans le laboratoire, de l'autre côté du hall. Quand ils ressortent un peu plus tard, ils ont toujours l'air de s'être disputés. Il y a une réserve juste à côté. Ce serait l'endroit idéal pour se cacher et écouter leur conversation. Mais la porte est verrouillée. J'ai aussi essayé de pirater le terminal de Faraday, vu qu'il est très proche de Dima. Mais il a mis des sécurités de malade. Je vais aller pirater le terminal. C'est faire l'as du piratage. Je vais vous montrer. Si vous le dites... Bonne chance. Revenez me voir dès que vous aurez appris quelque chose. Oui, madame. C'est parti. Bon. Ah oui, c'est vrai, il s'est arrêté parce que j'ai le... Oui. Oui, oui, oui. Alors. Vous avez arrêté de vous battre, au moins, rassurez-moi. Vous comptez acheter quelque chose, oui ou non? Le jeu qui continue de bugger. On va sortir du bâtiment et on va rentrer. Ça va peut-être le resetter un petit peu. Le Cérébrobot, modèle conçu par General Atomics avant la guerre, la Grande Guerre, a une particularité unique. Il utilise un cerveau authentique, un authentique cerveau organique plutôt, en guise de processeur central. Oui. Rien que ça. Oui. Hop. Bon, bon, bon. Hop.
Les voilà. Et nous, c'est par là qu'on va aller. Eh bien écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner et rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. N'a pas trouvé le lien derrière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yoooop.